Ça, c'est très bien. On va simplement le laisser passer. Ici. Je viens pas la taper. Il est juste posé où il était avant. Il est là. Quand je le laisse passer, mon bras reste où il est. Et je cherche pas du tout à faire pan. Je me pose. Par contre, cette main-là continue à faire l'extension. Et quand il y a ce mouvement-là, juste à bouger mes hanches. Mon bras a toujours pas bougé. Vas-y. Oh, joli. Déjà, rien que là. Chose tellement plus. Alors, toi, légèrement plus. Voilà. J'ai plus loin. Je résistais tout à l'heure. Ah, mais ah, là, c'est fini, je suis descendu. Comment je peux m'occuper de ton sang si le mien n'est pas bon? Je commence par m'occuper du mien. Ça attaque. Une fois que j'ai le mien, je peux m'occuper de l'autre. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, vous êtes suffisamment relâché. Je ne veux pas y faire la technique. Moi, je veux juste le premier contact. Allez, monter, monter et descendre. Et ne pas m'arrêter. Donc, vous allez prendre un peu de distance, rayon en distance. Et au moment où il y a du contact, c'est juste monter, descendre. Et pas s'arrêter. C'est cette notion-là qui sait que ce n'est pas mon bras. C'est pas mon bras. C'est parce que ma hanche arrive. C'est ça qu'il faut retrouver. Ne cherchez pas à attendre classique passage de grade. Qui vient aussi, tombe pas l'eau. Qui vient aussi. Là, c'est vraiment pour se relâcher. Et toi, tu vas m'attaquer aussi. Hein. Voilà, je suis là. Voilà. C'est important que le pied fasse le bon travail. Regarde où tu es. Et à partir du moment où le pied donne quelque chose de sympa, correct, on va se faire attaquer. Je monte. Mais vas-y, t'es même. Faut pas s'arrêter. Quand je vois que ça passe pas, ça va. Je vais pas lutter contre. Je vais décomposer un peu. Je peux pas faire IQ sans m'arrêter comme ça. Ça marchera jamais. Il est costaud. Je vais monter. J'ai mis mon bokeh. Et le fait d'armer mon bokeh, ça fait que moi je continue à avancer. Une fois que je suis comme ça, juste à redescendre mon bokeh en continuant à avancer. Et je fais que ça. Armer mon bras. T'as pris du coup. C'est uniquement monter tranquillement. Monter, mais quand je monte, c'est pas. Quand je suis là, je redescends. Et là, je ne cherche pas à faire mon coup de son du coup. C'est pas ça mon travail. Mon travail, pour l'instant, je suis pas à l'église. 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 Je rentre sur lui, je lui donne ma main. Tout à l'heure, et au moment du contact, et je me sers de ça en fait. C'est une attaque.
bien aussi. Bon. Je me sers de ça. Je cherche pas un travail. Je le laisse passer. Comme si j'allais chercher mon bouquet. Et une fois qu'il est venu, il est plus centré. Donc à partir de là, je vais pouvoir revenir sur lui. En statique, on va peut-être pas trop le déséquilibre qui est mis par le mouvement d'entrée, mais normalement il y a un déséquilibre. Après, il peut rien faire. Hein? C'est toujours ce travail-là, c'est le travail de bokeh. J'ai pris mon bokeh, j'arme, je coupe. Hein? J'ai mon bokeh, je vais le prendre. T'as pas peur? Non. Il va venir sur un et demi. C'est ce travail-là. Une fois qu'on a compris que ce n'est pas des oppositions d'angle droit, mais plutôt des spirales, le fait de faire des mouvements spirales, moi j'ai fait une spirale. Tu veux voir ? C'est vraiment un travail où je vais me recentrer, prendre mon bokeh, couper, revenir. Après, on remet ça sur YouTube quand même. Et quand je reviens, c'est pas ici. Voilà, c'est les épaules. Soit forte ici, soit forte ici. Tu as un problème? Je pourrais le faire parce que. Mais tu as un problème. Par rapport à ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est revenir. C'est mon corps, hein. Elle voit mon coude, mais si elle voit mon coude, non, ben, là normalement tu vois moins mon coude. Tu vois mon coude parce que il est là. C'est ni pour du déplacement de corps. Il est. Là mon bokeh, je fais chemin sur elle. Et c'est comme tout à l'heure, je ne vais pas chercher avec mes bras. Je lance mon coude. Je donne ma main latérale, je descends. La difficulté, c'est à ne pas descendre avant-bras. Bon, après, ce serait un autre travail, enfin, un travail de hanche, mais c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est j'ai mon bokeh, je le prends. Il y a du potentiel. Hein. Par contre, tu restes là-bas parce que s'il y avait quelqu'un qui chute ici, il va être pas mal. Non, c'est bon, tu te déplaces pas. Qui c'est qui fait des clics? C'est là, parce que tu passes au déplacement latéral.
ce travail-là, hein les gars, pour revenir un petit peu à ce que Maurice, ce travail-là, c'est jamais que du travail de bokeh. Ou inverse. Mais toujours sur le centre. Je force. Je fais du bokeh. Voilà, j'arme. Je vais faire ça pour que vous voyez. J'arme. Je ne vais pas chercher. Je cherche simplement à couper. Quand je descends, je descends. C'est mon corps. C'est mon corps. Là, je fais comme ça. Là, c'est... je prends mon bokeh, j'arme mon cheval. Il veut descendre sur moi, je descends sur lui. Tu vois ? Tu veux voir ? Donc, physiquement, ça marche, hein. On peut. Hein. Mais oui, ça existe, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est le centrage et le relâchement. J'ai mon chemin. Et quand je descends mon chemin, je descends ici le long. Et je suis simplement là, il n'y a pas en pause, par contre quand je vais commencer à descendre, c'est le travail du corps. Oui, c'est le travail du corps. Adrien. Mais le chemin aide. Hein, je ne force pas. Par contre, je mets.